Bumpty Gaming, comme d'habitude, c'est Mocha de retour sur Bellum Imperii. Donc vous voyez ce que j'ai vu en chemin pour aller à Termonde pour essayer de récupérer la fille. Un petit terrain d'entraînement qui était au bord du cours d'eau. Je n'avais pas fait attention. Normalement, je vais pouvoir entraîner mes troupes. Apparemment c'est pas le cas, on va essayer de voir quand même. Bon, apparemment. J'ai parié, ça part pas. Y a un souci avec les parades là. On va recommencer. Je mets en haut, hein. Là, bon, ok, c'est plus en haut, normal. Ouh, c'était chaud. C'est de faire ça. Quand même. Donc j'ai l'air vie qui vient à 100%, ouais, c'est bon. Mais putain, tu vas parier sur la droite, ouais. Pas facile, hein. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est que niveau des parades, je sais pas, c'est. Pas très précis.
Ce sera pas mes troupes que je vais entraîner, mais moi-même, quoi. Allez, on essaye. Pas pareil comme il fallait. Facile, c'est les champions. Là, j'ai pris un peu l'expérience, ça se voit au niveau de... C'est plus facile à esquiver là. Bon, je dis ça. Et je n'y arrive plus. Mais qu'est-ce qui se passe pour que j'arrive à taper? Suis trompé, là je me suis foiré. Mais non, t'as sur le côté. Voilà.
Impeccable, ça c'est fait. Autrement c'est mal passé, bah oui, ça bug. Et je vais être moi et mon double. Bon. On a pris un peu de niveau. Pas nos personnages apparemment, mais notre héros, ouais. C'est ce qui compte. On n'a pas le choix pour le moment, hein. Faut que mon perso soit costaud, hein, pour faire face aux bandits. Donc on doit pas être très loin normalement du lieu où se trouvent les ravisseurs. J'ai confondu, ça ressemblait à ça. C'est quand même assez loin. Oh, c'est pas trop loin non plus, mais je me croyais vraiment plus proche. Ça coûte le bateau, hein. Ah ouais. Ça coûte cher. Personal upgrade, là, si, les serres. C'est quoi des levies? Ouais, je vais en faire un au moins pour savoir. Ok. Ils n'ont pas de bouclier. Bah, j'allais dire des comme ça, donc on va prendre 4 des comme ça, puis voilà, ouais. Histoire d'avoir un peu de tout, on verra ce qui est plus efficace par la suite. On a déjà pu en manger. On va s'arrêter là, puis on va aller là-bas. Ça va. Allons voir s'il n'y a pas un rançonneur. On ira se faire eux aussi après. Ok, c'est des levies. Là, ils ont quand même un bouclier. Donc, il faut upgrade.
sais même pas combien j'ai. En tout cas, hop. Deniers de récupérer. Ils ont l'air pas trop mal, mais pour l'instant on n'a pas à plaindre. Un pisteur, ça pourrait m'être utile, mais bon, on va voir déjà. On ira voir plus tard les... pour les missions, parce que je vais pas m'embêter avec 15 000 missions dès le début. Je vais plutôt essayer de me faire une armée, les faire upgrade, me trouver du bon stuff, et ensuite j'irai commencer à faire des missions à partir du moment où j'aurai au moins une trentaine d'hommes. Et un stuff équivalent enfin, au moins un truc de déserteur, enfin voilà, un truc de l'armée quoi, pas un machin de brigand. On va quand même se les faire. Un peu d'action, ce n'est pas trop. 34. Ils sont 17, bon par contre on spawn dans un truc tout pourri. On va attendre sagement ici. Cavalerie. Ouais, bah ça a pas l'air d'être abandonné tout ça, parce que la cavalerie me suit pas. Tant pis. Pourtant je leur ai dit. On verra ça après. Infanterie, archers. Ah, c'est des archers. Ils sont à la place des archers. Bon bah alors, suivez-moi. Hein. Avec leur mule. Ça arrive. On va essayer de passer de l'autre côté, nous. Il y a un rançonneur juste à côté, ça tombe bien.
pourra toujours ça à vendre à la ville d'à côté également. Ah oui, il s'est barré, Laurent Salaire, il n'y est plus. Comme par hasard. Pister, on verra plus tard. C'est pas ce qui urge. Sauvegarde rapide. Ok, c'est pour le moral du groupe ça. Mais on va continuer là-dessus pour l'instant. Donc il y a un patch de prévu pour corriger les quelques bugs, parfois à ce niveau des noms, des factions. Comme tout à l'heure je croyais avec le sultanat de Sarani, il y a des trucs de la native qui sont... C'est un peu le bordel quoi. Mais bon tant pis, c'est jouable quand même. Non, c'est pas ça que je ferme. Je cherche les bandits qu'il y a autour, ils sont là-bas. Donc à sauvegarde quand même. Gardons et prenons surtout les bonnes habitudes et allons-y. Donc c'est quand même un petit peu mieux là au niveau de les... mes troupes, il y a moins de paysans que, que tout à l'heure, j'ai bien fait de faire des petits combats. Ah j'ai oublié de... Donc ce sera les archers, c'est les cavaliers en fait. Il est tout seul. On va me suivre. Parce que l'autre il est mort du coup son pote. Ouais, je vais pas l'envoyer trop au suicide lui hein, quand même. Bon l'infanterie ça va. Sortie de l'eau. Même avant là ça aurait été mieux. J'ai pas vu qu'il y avait une petite rivière. Ne pas tirer. Dès qu'il sera avant... ah, juste à proximité. Voilà, là c'est bon. Ils ont déjà bleu là. Un petit chargé.
Vous avez pas vu cela? Quelques hommes à tous les coups, hein, mais bon. 4 de blessés sur 12. En 12 tués, et puis 4 blessés sur... Enfin, je sais pas, ouais, ça doit être ça. Pertes sont lourdes, hein. Je suis full. Bon, tant pis, laissons-les partir. On va se débarrasser de tout ce qui est pourri déjà, et on va essayer de prendre ce qu'on peut. Au niveau du reste. Donc ça c'est pour le chef déjà. J'ai de la foule. Jamais. Ouais, c'est pas terrible. S'il y a l'arc qui est en bon état ici. Pas les flèches. Ah si, celle-ci. Donc on va jeter un truc. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à me retrouver des soldats. On va aller faire un tour ici et voir s'il y a des... s'il y a un rançonneur. Comme ça en même temps on se fait de la réputation, de la renommée, que du bon quoi. Puis je me fais un petit peu au gameplay qui est un peu plus hardcore que sur les autres modes. Bah c'est dans le même genre que Viking, hein, que Viking Conquest et Britain Welder. C'est un peu plus orienté simulation. Je veux un rançonneur. Connor Mark Ordlane. Infirmier. Ah lui il a un problème. Ok. Il va falloir désinfecter un bandit. Un village de bandits. Un guetteur. Bah lui il est en meilleure condition. Pas de casque, mais au moins il a une petite combinaison. 482 années par contre. Mais pour l'instant, on peut pas se permettre. J'ai du stuff de bandit sur moi. Toi c'est combien toi? Tell me about yourself. Ah c'est un free irlandais, un irlandais libre et tout. Ok. Problème, bon je vais pas tout traduire, en plus là, il a pas été traduit en français lui. Juste savoir à combien. 100, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un archer, c'est quoi? J'ai pas vu, je vais quand même relire pour savoir ce qu'il fait. Allez, c'est 100 points, c'est un héros, on va pas se priver, on va juste me le saper, dès qu'on pourra. Allez, on a fait le tour ici. On va quand même essayer d'aller voir si on peut prendre des... quelques... ouais,
C'est comme tout à l'heure, quoi, c'est les fermiers. Mais bon, après, on le transforme aussi en légionnaire. Donc, ouais. On va pas se priver parce qu'on en a perdu. Y a pas de temps. Il me reste 6 jours, je vais aller redonner l'argent tout de suite. Et ramener la fille surtout. En espérant qu'il s'est qu là-bas se trouve un rançonneur. Ça serait bien. Hop, un Lévi en légionnaire, c'est déjà mieux. Ah oui. Ah ouais, là, ok. Là, ça me convient. Des cavaliers. Pour le moment, c'est pas très utile. Peut-être m'en prendre au moins un. Histoire qu'il y en ait un qui soit avec moi. Puis d'ailleurs, je vais faire l'ordre un petit peu dans mon inventaire. Là, parce que tout à l'heure, les fermiers, les pauvres, ils étaient en âne. Et ils étaient, ouais, enfin, voilà, c'était le bordel, quoi. Des archers ou des cavaliers, les archers. Avec un autre cavalier, faut bien essayer. Les habitants ne sont pas upgrade encore. Donc il est où mon fermier, il est mort ou quoi? Parce que j'en ai un, deux qui est en âne. Bah tant pis. Il est bien en cavalerie en tout cas. On va lui parler et regarder si on peut lui changer un peu quand même le truc là. Toujours ça. Ah, plus 16 moins 2. Ouais, plus 15 moins 3. Donc. Bref. C'est lui mettre autre chose que son couteau. Voilà. Arc court. Court aussi. Ok, les flèches en bon état, les siennes aussi, la patte cheval, ça viendra. Alors, je sais pas où il est parti, qui est parti là, mais il est pas s'arrêter. Allez, allons voir si y a un rançonneur. Il y a des romancers, un voyageur, pas de rançonneur. Donc allons voir le Guildmasters. Je me suis trompé de ville ou quoi?
Ça me reste 10 jours, il va falloir que je me speed. Ah non, c'était Good One. Comment ça se fait que j'ai... Je comprends rien là. Comment j'ai fait pour me tromper comme ça quoi? Il me semble pourtant avoir fait la même chose tout à l'heure et ça m'avait indiqué l'autre ville. Alors est-ce que j'ai mal cliqué? Je ne sais pas. Ouais, c'est de ma faute, c'est... Je pense en tout cas, ça va pas être un bug. Mais c'est que j'ai encore perdu cette satanée ville. C'est Kundan. Ouais. On va enfin s'activer parce qu'il me reste 5 jours pour faire la quête des paysans. Oh, j'aurais pu vérifier, voir si j'aurais pu vendre mes otages, mais tant pis. Il n'y a pas le temps, on speed. Super cher le bateau. Vaut mieux éviter de passer par l'eau. Hein. Là je trace parce que j'ai pas trop le temps. D'ailleurs quand vous marquez, hein, je sais pas. Je m'arrête pas de village en village, ce sera pour après ça. D'abord je vais me faire un stuff pas trop mal. Car c'est. Vu que c'est un mode, bon ben ça part directement sur des missions de 30 ennemis. Et bon bah si on est 2-3, pas très bien stuffé, autant oublier. C'est pour ça que je vais me faire un perso correct, se faire quelques petites missions rapidement, se faire surtout pas mal de bandits et de déserteurs, se stuffer, prendre un peu d'argent. Et ensuite on peut passer essayer de parler déjà au moins aux puissants du coin, car en plus on va gagner en renommée suite au combat qu'on aura effectué. Voilà. Il me reste 53 pièces, c'est tout ce que j'ai. J'avais 313, j'aurais payé 260. J'avais pas mis les calques tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai rien acheté spécial pourtant. Il a 50 denis quoi. Enfin 50 coins. Et il va où? Bon, ça va s'arrêter, mais je voulais rentrer à la base moi. Espérons qu'il paye cher. Il me donnait combien? Pas beaucoup à mon avis. Hein. 290, c'est toujours ça. 180 points d'expérience. Impeccable. Donc les villageois assis juste à côté. Ici, on va les entraîner. Faire une sauvegarde avant. Normalement, c'est bon, j'ai le temps là. Entraîner les paysans à 8 jours et j'en ai combien? 5. Ça fait que c'est un par jour, c'est bon. Et ça après faudra aller pareil défoncer du bandit. Encore un petit coup en force. On marche forcé pour se faire les petits groupes. Et c'est bon. Une sauvegarde rapide. Et on entraîne les paysans. Ça va finir en assaut. Comme d'habitude.
Bon, là, ça va partir en... en combat contre des brigands. Ou alors c'est après celui-ci. T'as transpercé, ouais. Ah, mais la butée un de mes cavaliers là. Bref. Sans les pertes, on va en avoir. C'est eux que je sauvais les bandits, d'accord. Ok, bah c'est là que j'ai commencé la vidéo. D'accord. Bon, on va y aller. J'ai même pas été voir si je peux oublier le vent de mes prisonniers, merde. Allons là. Quand même. Ah mais j'avais été à la taverne, c'est vrai. J'ai pas vu. Donc c'est bon. Ici. Un habitant a déserté. On a dû passer à côté de chez lui. Voilà. Non, c'est pas vraiment le même village du coup. Bon, si je le retrouve déjà. Thank you.
coûte trop cher, c'est peut-être ça d'ailleurs ça qui m'a fait partir l'argent. Encore que c'est vrai que c'est le plus près. Ouais, j'ai plus de bouffe. Ça, c'est tout est parti quoi. On va prendre du blé pour l'instant. Allons là et puis traversons ça. Ça va quand même plus vite. Est-ce qu'on est là-bas ou puis on peut passer par là, ça y est au même. Passons par les terres. On a ce qu'il faut à manger, pas besoin de s'arrêter au village. Merde! Charger, hein. Je sais pas ce que j'ai pas perdu trop de temps pourtant, mais ah là là là. Bah oui, on est en route. Donc côté ici, ouais, j'ai ah merde, j'ai pas encore fait les entraînements à eux là. Non, c'est vrai. Ouais, bah tant pis, du coup ça va me faire, on va arrêter là. C'est le deuxième épisode, mais bon, on se débrouille un peu mieux. J'avoue qu'il faut quand même penser à faire pas mal de sauvegardes. Et que le peu de fois qu'on oublie, c'est pénalisant car on est obligé de refaire eh bien, ce qu'on a loupé quoi. Bon, souvent un peu trop, on se remonte un peu trop à l'arrière quoi. Là, je l'aurais dû la faire avant. Et pourtant, y a pas écrit les jours quoi. Moi, c'est ça qui m'énerve aussi quoi. Y a pas écrit vous avez tant de jours quoi. Donc, y a quand même quelques soucis. Hein. Mais bon, mis à part ça, c'est quand même pas trop mal. Ils sont comme l'ensemble des meubles, des mods sur Warband en général. Sont quand même dans la grande majorité assez bien conçus, assez plaisant à parcourir. Donc et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour la suite. Allez, ciao.